arrivera qui après vous vivez. N'ayez pas vos cœurs touchés à notre égard. Car si vous avez pitié de nous, pauvres, Dieu aura plutôt miséricorde de vous. Vous nous voyez attachés ici, 5, 6. Quant à notre chair, que nous avons trop nourrie, elle est depuis longtemps dévorée et brûlée. Et nous, les autres, devenons cendres et poussières. Un autre malheur que personne ne se moque. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si nous vous appelons frères, vous n'en devez avoir de dedans. Bien que nous ayons été tués par justice. Toutefois, vous savez que tous les hommes n'ont pas l'esprit bien racine. Excusez-nous, puisque nous sommes trépassés auprès du Fils de la Vierge Marie, de façon que sa grâce ne soit pas tarie pour nous, et qu'il nous préserve de la foudre infernale. Nous sommes morts, que personne ne nous tourmente. Mais priez Dieu que tous nous voient absous. La pluie nous a lessivés et lavés, et le soleil nous a séchés et noircis. Pis, corbeaux nous ont crevé les yeux et arraché la barbe et les sourcils. Jamais seul instant nous ne sommes assis. De ci, de là, selon que le vent tourne, il ne cesse de nous maloter à son gré. Plus becqueté d'oiseaux que thé à poudre. Ne soyons donc de nos confrères, mais priez Dieu que tous nous voient absoudre. Prince Jésus, qui a puissance sur tous, fais que l'enfer n'ait sur nous aucun pouvoir. N'ayons rien à faire ou à sonner avec nous. Homme ici, pas de plaisanterie, mais priez Dieu que tous nous voient absoudre. Que tous nous voient absoudre.